Bonjour à tous et à toutes, je suis Régis et bienvenue pour la suite de Breath of Fire 2. Plusieurs choses à dire avant de commencer, donc installez-vous ou skippez jusqu'au moment où je bouge. Première chose, j'ai déjà enregistré cet épisode. Je l'ai enregistré avec quasiment la même équipe que vous voyez actuellement et j'ai dû arrêter parce que je mourais en boucle à un moment. Ce qui implique que je devais farmer. Donc j'ai fermé pendant 2 bonnes heures et j'espère que ça va mieux se passer. Deuxième chose, résumé de l'épisode précédent. La dernière fois, après une chasse au Paroupa et ma revanche contre un boss merdique, eh bien nous avons donc voulu donner le Oupa-Oupa à quelqu'un, sauf que j'étais un méchant. Donc du coup petit combat de boss, très simple. Et nous avons récupéré Aspa, l'homme arbre, qui nous permet donc de parler au grand arbre qui se trouve sur la map. Et nous devons nous rendre à Hautfort car se trouve un instrument magique qui nous permettra de parler au peuple de Musicia, là où j'étais. Et nous voici à Hautfort. Troisième chose, pourquoi mon équipe est différente? Tout simplement parce que lorsque j'ai avancé dans le jeu, à peu près jusqu'ici, j'avais pas vu les 2 poteaux à gauche. Et qui dit 2 poteaux dit forcément l'utilisation de Sten. Parce que c'est le seul à pouvoir s'agripper à 2 poteaux. Voilà, donc j'ai coupé jusqu'au combat d'un boss qui était scripté ou pas, je ne sais plus. Une de ces phases qui devait être scriptée. Je vais tout refaire. Espérons que ça se passe mieux. Ah, c'est notre bonne vieille ville, Hautfort. Voulons-nous entrer dans ce château? Oui. La vache, je sais, la célèbre flûte, hein. Pour être franc, j'ai jamais envisagé de revenir chez moi. Jamais, plus jamais. Et voilà. Et maintenant, ça va être compliqué pour faire le doublage. Parce que je n'ai pas de bouteille d'eau à disposition actuellement. Faut que je bouge. Qui sait? Je laisserai entrer personne dans le château. Sauf les montagnards. Leur. Hein? Toi? Chef Sten, tu étais vivant? Désormais, je suis plus un chef, Gain. Chef Sten! J'étais persuadé que t'étais mort durant la bataille de Gonheim. Il aurait mieux valu que je suis mort. Mais tu es de retour, chef. Tout le monde sera si content. Ils diront que chef est de retour. Alors écoute bien maintenant. Je suis plus ton chef et je suis pas un héros. Je suis juste un lâche qui essaie de s'enfuir. Le héros de Gonheim s'appelle Turbo. Il a combattu jusqu'à la dernière extrémité sur champ de bataille infernal. Comment va-t-il? Ne va-t-il donc pas de bientôt devenir général? Enfin, quoi qu'il en soit, bienvenue à la maison. Turbo est impatient de te voir. C'est impossible. C'est pas bon. Comment lui faire face? C'était une erreur de revenir, en fin de compte. Tu vas pas voir la princesse? Je peux pas lui faire face. Je crois que... j'aurais pas dû revenir. Pareil, Gain. désolé, mais j'ai un petit problème. Alors, vous devrez chercher la célèbre flûte. Voilà. Peu importe ce que peuvent dire les autres, Sten est mon chef. De plus, j'ai décidé que les amis du chef entreraient dans le château. Alors, entrez! Et voilà où nous en sommes actuellement. Je vais faire une petite save. Parce que cette statue ne sert qu'à ça. Oui, je vais continuer mon voyage. Et nous allons entrer dans le château. Et on va être reparti pour une deuxième session de doublage. Je vais décéder. Ah oui, alors là, c'est une invention incroyable. Les ascenseurs manuels. Meilleure invention.
J'avoue quand même que ça apporte un certain charme, mais qu'est-ce que ça doit être compliqué. Alors en dessous, je crois qu'il y a des geôles. Je sais plus ce qu'il y a en dessous. Oui, il y a des geôles et des machines que l'on verra plus tard. Là, j'y suis pas allé, me semble-t-il. Ah, si, c'est des chambres. Dites-vous juste que le palais est symétrique. Point. Une conférence de guerre a lieu en ce moment. Tu vas avoir des problèmes si tu rentres sans permission. Balek. Alors, faut pas que je me trompe dans le doublage. Parce que le personnage en rouge, c'est une femme. Allez, on y va, on y croit. Donnez-moi le rapport sur la résistance de la division du Sud-Ouest. Ah, nous n'avons pas assez de force militaire et de ce fait, nous sommes en retard. Si nous ajournons une dose de nos attaques, il en sera de même pour les prochaines. Envoyez des soldats d'une autre unité, nous devons les écraser par le nombre. Oui, mais si nous continuons comme ça, nous n'arriverons pas à respecter les temps. De plus, si nous avions des vétérans, ça irait. Mais si nous n'avons que des bleus. Silence! Ah, je ne tolérerai plus aucune excuse. Exécutez le plan, quel qu'en soit le prix. Mais. Zblu? Grosse claque. Désormais, je ne tolérerai plus que vous me répondiez ainsi. Toi, soldat, contente-toi de te battre comme je te l'ai dit. Tu n'as pas à t'inquiéter. L'argent pour lequel tu risquais ta vie, c'est ça que je vais utiliser pour ce pays. Bientôt, une arme incroyable sera achevée. Quand cela arrivera, nous pourrons dire adieu à la vie miteuse de soldats. Nous pourrions même conquérir le monde. Est-ce que tu comprends? Alors maintenant, on va. Oh. Voilà. Bonjour, je suis le héros de l'histoire. Hein? Qui sont ceux-là? Des gens comme vous n'ont rien à faire ici. Nous sommes en pleine conférence de guerre. Vous n'allez quand même pas me dire que vous n'en avez pas entendu parler. Les gens malpolis disparaissent. Oh mon dieu, c'est un trou. Ah, je ne crois pas qu'ils aient entendu quelque chose d'important. Mais il vaut mieux prendre des précautions. Surtout concernant l'arme spéciale. Je ne veux rien laisser filtrer. La politique. Voilà. Et on en est... Enfin, moi j'aurais été arrêté ici. Pour le moment. Oh, ils sont tellement en retard. Ryu, qu'est-ce qu'il fait? Stein, et qu'est-ce qui t'est arrivé à tes invités? Ah, je me faisais des soucis. Nous devrions peut-être voir ce qui s'est passé. Bon, je vais aller voir. Soldat, mais... Ah oui, mince. Fais attention à Shepke. Shepke? Elle est venue dans ce château pendant ton absence. Elle a rapidement monté les échelons et maintenant, elle est générale. Ouais, je fais attention. Et je contrôle Stein. Alors Stein, quand je l'ai laissé, il était niveau 18, me semble-t-il. Et je l'ai upé jusqu'au niveau 21. Et autant vous dire que, heureusement que je suis sur émulateur, parce que sinon, j'aurais mis un peu de temps. Première chose à faire, déjà récupérer l'équipement qui se trouve juste en bas. Il y a trois petits coffres. Alors, normalement, il y a un objet inutile. Il y a une arme et une armure. Normalement, je sais ça à utiliser. Un papillon CT qui me met à 103. Et la hâte qui me met quand même 97. Donc là, bah, dites-vous qu'avant, il avait à peu près 50 en attaque et je crois en dessous de 45 en défense. Donc j'ai quand même dû racheter pas mal d'équipements juste pour sa gueule. Et il y a des ennemis dans cette zone qui sont assez aléatoires. Et maintenant, nous allons entamer une autre phase de discussion, c'est-à-dire là où je suis mort, bien comme il faut. Alors évidemment, un INN, objet, coffre, d'ailleurs, parlons de d'achat. Voyons. Hop, j'en reprends. Ça, j'en ai. Voilà, voilà. Objet, on met en ordre et on va y aller.
Oh! Il y a quelqu'un qui ressemble énormément à ce type que je connais, Stun. Cette voix. Turbo? Quoi? Tu veux dire Turbo? Oh! C'est vraiment Stun! Voilà, alors spoiler. C'est un boss. Voilà, spoiler. Et il est ses forces jaunes. On avait une force rouge tout à l'heure avec Chapkey, maintenant tu vois ses forces jaunes. Oh, tu as assez un cran pour revenir maintenant. Singe trouillard. Ah, je suis désolé, Turbo. Grrr, tu es désolé, hein. Ah, tu n'as pas l'idée comment ça s'est passé pour moi depuis que tu es parti. Ah, je te le ferai payer. Et voilà le combat de boss. Alors, à savoir que je suppose que cette partie-là du combat de boss est scripté, parce qu'il y, y aura une deuxième phase que vous allez voir si jamais je meurs, où en gros on aura un temps limité. Donc je vais attaquer Turbo, alors je vais attaquer normal, sachant que oh, j'attaque en premier, j'ai un bonus de vitesse, trop bien. Ah, mais ça n'a rien à voir avec ma partie que j'ai fait, que j'ai arrêté. Dites-vous que avant il mettait 40. Alors évidemment j'ai des sorts, hein, gros sort. Si tout se passe bien, je ne meurs pas. Si tout se passe mal, vous allez avoir une deuxième phase facultative. Et lui, il me met un critique en doublette. Et il y a aussi un truc que j'ai découvert, c'est qu'il y a au-dessus dans le jeu de... Alors c'est quoi, c'est critique, c'est cramé. Ou en gros, c'est le critique x2. Alors, je ne comprends pas pourquoi mon sort met plus de dégâts que mon attaque. Ah, mais je suis refait en fait. Je suis tellement refait, vous imaginez même pas. Oh ! Ah bah vous n'aurez pas la phase facultative. Turbo, tu es toujours en colère après moi? Ouais, bien sûr que je suis furieux. Ah, si tu t'es encore en vie, pourquoi es-tu pas revenu plus tôt? Ah bah si. Alors en fait, je vous explique. Je coupe. Si vous perdez ce combat, vous allez revenir, reprendre là où vous êtes arrêté, et en gros, deuxième combat. Mais là, je viens de réussir le premier combat, donc c'est quand même scénarisé, donc j'enchaîne sur le deuxième combat. Après que tu aies cherché l'ennemi à Gonheim, je suis désolé. Y'a de quoi? Il n'y avait aucune chance de battre l'ennemi par ton attaque seule. Peut-être que tu avais envie de mourir en héros, mais c'était la même chose que de fuir. Tu as tout à fait raison. Depuis lors, je n'ai jamais rien fait d'autre que fuir. C'est pour ça que je n'ai pas pu revenir ici. Je ne pouvais pas te faire face. Je m'affiche bien de moi. Ce que je ne peux pas pardonner, c'est comment tu as abandonné la princesse et disparu. Turbo, arrête. Gros, c'est triste à dire que l'homme qui a été choisi par la princesse soit un sage bon à rien. Allons-y, Stein, gros porc. Tu es fou, qu'est-ce que tu fais? Le pont va s'effondrer. Montre-moi ton courage, Stein. Si nous combattons avec ardeur, nous aurons un vainqueur en 3 tours avant que le pont ne s'effondre. Ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Par contre, on va prendre une noix, un soin, et je vais faire bon. Si je ne meurs pas, bon, je suis mort. MDR. J'ai perdu la moitié de ma thune. Bon, bah je suis mort, MDR, hein. Ah, bon. De toute façon, c'est pas grave. Je considère que c'est pas grave. Farmer, c'est pas quelque chose d'incroyable. Surtout que j'ai quand même un compte en banque incroyable. Donc, on met la thune à l'abri. Normalement, je suis full. Et donc là, on va avoir le même combat. Alors ce combat, vous l'avez si vous mourrez. Donc vous pouvez mourir à la première phase et quand même continuer.
Donc là, je sais que bombe, c'est un sort qui craint, au vu du son que ça a fait tout à l'heure. Donc j'ai bourré la bombe. Alors par contre, je vais chercher de l'eau. Je peux pas cutter. Donc vous allez m'entendre. Ah, j'espère que vous appréciez ça. Je pense que je le laisserai au montage, ça. Hein, de manière à ce que vous voyez les conditions professionnelles hein, de cette chaîne YouTube incroyable. Allez, le combat, c'est loin, discussion. A savoir que j'en veux pas au jeu, je le dis quand même, je n'en veux pas au jeu. J'en veux à la localisation FR qui a très mal géré tout ce qui est tout ce qui est de mettre le jeu en français et aussi de mettre sans doute les valeurs. Alors, bombe. Heureusement que j'attaque en premier. Ah, il fait plus de dégâts là. C'est pas une très très bonne nouvelle. Tu sors. Ouais, flamme. Au pire, j'en ai des noix. Donc là, c'était le tour 1. Le tour 2. Ah, bah j'ai fait un cri. D'accord. Très bien. Bon, bah voilà, j'ai réussi. J'ai débloqué un truc. Ah non, ça fait plouf. Alors, question, qu'est-ce qui se passe si je rate le combat en 3 tours? Si certains ont fait ce jeu et ont réussi ce passage, j'aimerais bien avoir vos expériences. C'est toujours intéressant. Et ça va? Ah, tiens bon, Turbo. J'ai de l'herbe, décaté. Oh vache. Oh, j'ai perdu. Mais tu n'as pas changé du tout, Turbo. Tu es toujours aussi téméraire. Comme la fois où tu as conduit les voyous des squads de la démolition. Je suis heureux d'apprendre que tu n'as pas changé non plus, Stan. Mais... tu es revenu bien trop tard. Pauvre idiot, Stan. À ton avis, qu'est-ce qui t'est arrivé au château pendant que tu étais parti? Es-tu en train de parler de cette femme, Shapka? Ouais. Le pays est désormais sous son contrôle, selon son bon vouloir. Est-ce mal ce qu'elle a fait? C'est une belle et intelligente jeune femme, n'est-ce pas? Laisse-moi finir, idiot. Elle a les yeux rivés sur les pouvoirs de ce château. Et sais-tu ce qu'elle a... ce qu'est la clé pour libérer ses pouvoirs? La clé est un membre de la famille royale. En d'autres termes, la princesse. La princesse? Attends. Qu'est-ce qu'elle va faire, la princesse? Je n'en sais rien. La seule chose que je sache est qu'elle a une idée démoniaque derrière la tête. Et il est possible que la princesse soit celle à qui on va faire du mal. Turbo, donne-moi tous les détails. Il y a un passage en haut à gauche. Il y a un passage secret dans la chambre du roi. Ces deux chemins conduisent à la princesse. Ce que nous avons contre nous, ce sont des monstres sur la route. Et des soldats qui sont sous l'influence de Shukai. De notre côté, nous n'avons que toi et moi. Qu'est-ce que l'on fait dans ce genre de situation? Chef... Prenons une formation en pince. Turbo, tu vas en haut, je m'occupe de la gauche. Reçu, alors je te verrai plus tard. Oh! Je joue avec Sten. Trop bien. Allez. Évidemment, on se garde, hein. Alors, normalement, je dois aller à gauche. Mais je suis curieux. Est-ce que je suis dans un endroit spécial? Non.
J'ai pas eu ce réflexe d'aller en bas. Enfin, d'utiliser les autres ascenseurs avec l'équipe. Donc, je vais à gauche. Mais que vais-je rencontrer sur ma route? Sans doute des choses. Et d'autres. Y a rien. Alors que je me souvienne du passage. Ah oui, alors il y a ces étranges machines. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas de qui, de quoi, de caisse, mais pourquoi pas. Ouais, médaille. Alors les médailles, je sais toujours pas à quoi elles servent. Si, ça doit attirer quelque chose ou quelqu'un. Je suppose que ça doit attirer le marchand quand il est dans la pêche, mais c'est tout. Book rêve, ok. Si vous savez ce que c'est, eh bah dites-le. Tire du sommeil. Ah, intéressant. Intéressant que tout cela, donc, ça peut être utile contre certains combats. Certains mobs plutôt. Ah. Ah. Ça y est, ça commence. Alors, bien heureusement, ce sont des monstres assez faibles. C'est toujours ça. Mais voilà, c'est des combats. Ah bah, un coffre. Le bon choix. 1000 balles, ça me rembourse un peu de ce que j'ai perdu. Alors techniquement vous pouvez farm, mais les monstres sont vraiment aléatoires. Ça peut être un truc tout nul, un truc où voilà, où vous êtes beaucoup trop puissant, genre ça, je sais pas ce que c'est. Et je vais peut-être mourir quand je vais le combattre. Ce que j'espère pas. Pour rire. Ah. Alors, est-ce que suis-je empoisonné? Ça a pas l'air. J'ai pas l'air empoisonné, mais je sais pas. Non, j'ai pas de stats de poison. Cependant, ce passage du jeu avec Sten, je le trouve très cool. Alors, encore des machines et encore des chemins. Ah, mes poteaux, ils sont là-bas. On les voit. Ok, donc ça, je considère que c'est le même niveau. Les deux escaliers se rejoignent. De ce côté. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'autre escalier, du coup? Oui, je suis curieux, je vais prendre le temps. J'ai quand même farmé Stein pendant un bon gros moment. Je vais en profiter un petit peu. Ça se trouve, le combat de boss, ce sera juste avec Sten. Alors là, voyons, voyons. Ok, il y a des chemins un petit peu partout. Ah, alors ça, c'est un mob, ça fait partie de ces mobs qui donnent beaucoup d'XP. Cependant, les mobs qui donnent beaucoup d'XP, ils ont une très forte attaque. Enfin, une attaque plutôt haute. Mais ils ont aussi beaucoup de chances de fuir. Et évidemment, une défense qui défie toute logique. Donc si je peux l'avoir, ça donnerait un énorme boost d'XP pour Sten. Bon, le double critique simple, c'est ok. 1500 d'XP, je pense que c'est pas de refus. Alors, voyons, on va aller à la porte là. D'accord. Ça me... Ok, pour rien. Ah, alors ça, c'est un téléporteur.
Je l'ai reconnu direct. Et là, je suis... Ok, je vois à peu près où je suis. J'aimerais quand même savoir si je peux récupérer les membres de mon équipe. On va aller à gauche. Ok, un coffre pour une dague ninja. Ah bah dis donc, deux armes droppées qui boostent mon attaque. Franchement ça va, 113 d'attaque, c'est énorme. Et à droite, nous avons un combat. Très bien. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça, un faucheur. 51. Ah, je sens que je vais me prendre... Oh, je me la prends. Oh, je me la prends, petit 48. Oula, par contre, ouais. Beaucoup trop d'attaque et beaucoup trop de vie, surtout. Heureusement que j'ai refait le plein de soins. Parce que Stein n'a pas de sort de soins. Ce qui est, somme toute, gênant. Je vais garder ma magie avec lui quand même. Au cas où. C'est quoi ça, faut qu'on grrr. Ah, ça empêche le sommeil. Ah oui, d'accord. Non, moi je veux savoir c'est quoi le faut qu'on grrr. Je vais y arriver, je vous jure, je vais y arriver. Une arme de poing. Ah, ça va être pour l'end, du coup. Et l'end, je l'ai aussi fermé, j'ai à peu près fermé tout le monde. D'ailleurs, Aspa, je l'ai fermé jusqu'à avoir la compétence téléportation, qui s'appelle Envie, qui est stupide. Et c'était long. Droite ou gauche? Allez, gauche. Cela n'a aucune influence sur mes choix de direction, n'ont aucune influence sur mes positions politiques. Ah, oh, j'aime pas froid 2. Oh, j'aime pas froid 2. Ah, oh, je l'ai mangé. J'aime pas froid 2 parce que ça fait trop de dégâts. Ah, niveau 22, level up. Allez, on y croit, je vous jure qu'on va y arriver. Alors à gauche, un coffre, 1000 balles. Comme quoi, aller à gauche des fois, ça peut être bien. Ah, combat de boss. C'est bien. Soyez heureuse, princesse. Le temps est enfin venu pour notre château de retrouver ses forces. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de votre aide. Et le monde sera à nous. Je refuse. Est-ce que vous croyez vraiment que je vous aiderai dans une telle situation? Ce pays a toujours été une nation militaire. Sur quoi hésitez-vous maintenant? Il est vrai que nous sommes des mercenaires. Mais jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais participé à une guerre dans laquelle nous ne croyons pas. Il n'y a rien de vraiment bon ou mauvais dans une guerre. Salut, j'étais là. Hein? Qui est-ce? Ah, c'est toi. Sten! Oh, c'est toi, Sten. Je suis si contente. Tu es vivant. Je suis si heureuse. Je ne rêve pas à maintenir une voix de femme. Alors tu es... Sten. Alors tu pensais que tu pouvais agir comme tu voulais pendant que je n'étais pas là? Ce singe va te donner une fessée, Chapka. Oh non, c'était un piège. Oh wow. Ah, c'est insignifiant. Yahoo. Salut les copains. Je suis derrière vous. Je suis navré de vous avoir fait attendre. C'est votre super-héros.
Ah, je vous en prie, ne vous énervez pas. Ah, j'ai vraiment essayé de perdre. Nous devrions y aller maintenant. Ah, j'ai comme l'impression qu'il va falloir que j'affronte Shapkai. Stan a retrouvé ses amis. Au bout d'une demi-heure. Trop bien. Allez. Non, par contre, ouais. Du coup, peut-être que j'aurais dû prendre l'End avec moi. Ah! Il y avait un indice. Il y avait un petit indice dans ce que je devais faire. Ah, c'est dommage. Oh là là, oh là, oh. Oh, 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 ça va être chiant. Mon dieu, que ça va être long. Oh que oui, ça va être long. Ah là, par contre, ouais, c'est, là, je connais. Vous en faites pas, je connais. C'est de l'XP gratos, ça. Voilà, cramé, c'est au-dessus de coup fort. Ah bon, ça fait flamme maintenant? J'étais pas au courant. Mais on me le dit que maintenant, saloperie. Je regrette de pas avoir pris l'aine, non. Vraiment. Point 1230 en coup fort. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors pourquoi Kat a 80... Ah oui, c'est vrai, elle a pas trop de vie de base. Il est vrai, j'avais zappé ce détail. Oh que c'est long. Oh, ça va être très long, je vous le dis. Je l'ai vu. Je l'ai vu, mais... Tu... Voilà. Alors ça, c'est une... Un basilic, ça, c'est un monstre que j'ai combattu pendant que je farmais. Ça rapporte un peu d'XP. Il y a certains monstres que vous allez voir, que vous avez jamais vu dans le jeu quand je jouais, mais que moi j'ai rencontré pendant mon farm, où je connais déjà les points de vie. Il y en a qui va me faire une petite blague genre froid 2, et je vais très mal le vivre. Ah, même pas. Ah, c'est un sort de zone. Ok. Non mais j'apprends des choses hein. Alors qu'est-ce que c'est un escalier et j'ai pas pris le bon chemin. Ah oui. Oh j'aime ça. Oh que j'aime ça me tromper. Oh ça va être long. J'espère que vous êtes prêts. On est parti pour qu'est-ce que c'est que ça. Alors pourquoi j'utilise zéro sort avec Nina, toujours traumatiste du premier, parce que je me dis le combat qui va arriver, le combat de boss, je vais quand même avoir besoin d'un petit peu de magie et c'est pas quelque chose que je peux me permettre, surtout que les noix cuites 20 PM pour tu vois, c'est 500 balles. C'est un peu cher. J'espère que vous comprenez ce choix. Et j'espère que vous n'avez pas entendu les coups que j'ai donnés dans le micro. Il y a beaucoup de choses que j'espère. J'espère. On va y arriver, c'est tard. Je vais aller jusqu'au bout, au moins jusqu'en combat de boss. Et puis après... puis après, voilà. Alors, voyons. Je vais essayer d'utiliser les objets de manière optimale. J'espère qu'il y a juste une salle comme ça. Et pas 50 000. Sinon, bah, je vais pas être content. Alors là, allez, si je monte, est-ce que je vais me tromper? Oui, c'est bon. Le bon chemin a été trouvé. Premier coup. Ah.
Ah, on va avoir un petit décès. Oh, le décès. Putain, 4 et 0 d'armure. Rien du tout. Ça m'énerve. Ah non, c'est juste qu'ils ont une attaque ultra pétée. Eh ben, je vais devoir déjà claquer en vie. C'est génial. Voilà. Claquer en vie, ça me fait mal quand même. Ah bah oui, mets-moi les pharaons. T'as raison, c'est une très bonne idée, je. Bon, déjà, première chose qu'il faut prendre en compte, c'est que Kat et Stein sont maintenant les deux plus rapides du groupe. C'est un certain avantage à prendre en compte. Allez, on se met devant l'escalier. Pas à 4 mètres. Et il y a la double basilique. La double peinée. Elle est pour moi. Alors, il y a une esquive. Je sais pas d'où elle est sortie. Oh là là, mais 4! Est-ce que je joue mal? Peut-être. Dis-le moi en commentaire. Paf, critique. Bon bah 4, ce sera une des personnes qu'il faudra farmer un peu plus tard dans le jeu. Bon, le reste ça va. Je reste quand même à 110 de magie. Ça, oh, ça va. Alors, j'essaye de me faire le chemin. Ok, donc il faut que j'aille ici, ici, que je redescende là. Et que du coup, ok. Ah, il y a une porte. La porte, je m'en fiche. Soyons sûrs de ça. Sûr et certain de ça. Une seule larve. Là aussi, ce sera un très bon endroit pour farmer, mais j'ai pas le temps. Mais genre, arrêtez de prendre 4 pour cible. Vraiment. Ça commence à m'énerver. Ou alors ce que je peux faire, c'est utiliser les points de magie de Ryu. Sachant que bon, plus j'utilise de points de magie, moins mes invocations seront fortes. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas me permettre. Ah, la double. Bon, bah, fuite. On va économiser un peu de temps. Alors du coup, il faut que je remonte. Maintenant, il faut que je remonte au bout. Je ne sais plus. Ah, très mauvaise mémoire. C'est dommage. Ah, et c'est un froid sur 4, évidemment. Je sais pas ce qu'ils ont avec 4, mais ça commence à m'énerver. Et ben voilà, 4-23, un petit peu de vie, un petit peu de stats un peu partout, et puis on essaye d'éviter de mourir. Oui. Alors, je vais peut-être rater un coffre, mais il est, j'ai envie de dire qu'il est un moment où il faut aller vite. Ah, mais Stein, il a 35, il a monté vachement en magie. Bon, bah, flamme 2. De dégâts, ça reste plutôt bien, dirons-nous. On va quand même sur de la grosse créature. Ça me plaît moyen, moi. Si
S'il y a une deuxième salle, je pète un câble, par contre. Et alors, s'il y a une deuxième salle, je vais tricher, c'est salement. Alors, 1, 2, 3, ouais, c'est ça. Allez, on y croit. Est-ce que vous y croyez? Moi, oui. Attaque surprise, parfait. Messieurs, au revoir. Et une autre chose qu'il faut vous dire encore, c'est que à ce moment-là, précisément du jeu, sur la version PAL, oui, sur la version PAL, donc américaine, tout le monde est un niveau au-dessus de 30. Voilà, je vous laisse avec cette information, faites-en ce que vous voulez. On va se prendre une petite noire. IQ. Stun. Oh non, pas Stun. Allez. Oui. Il y a des téléporteurs. À gauche. Ah. Oui. Oui. J'aurais dû le savoir avant. J'aurais voulu l'avoir avant, mais c'est pas dommage. Donc, là, c'est le combat de boss. Ah non, c'est là où j'ai pas voulu aller. Et là, j'ai un masque lune. Ah, me dis pas que je devais pas aller là. Fuck. Le masque lune, je considère que c'est un équipement qui va aller à 4. Même pas aux autres. Hein. Ah bah attendez. Voilà. Hop. Le masque lune, qu'est-ce que c'est? Casque de guerrier, t'es en train de me dire que... Ah, masculine 105, non. On peut pas le mettre, ok. On peut pas le mettre, encore mieux. Ah ok, donc c'est pour Sten. Et ça c'est un rouge... Eh ben voilà. Non, c'est la même chose. On y arrive, vous voyez qu'on y arrive tout doucement. Bon, par contre, j'aime pas ce que je dois faire à nouveau là. On est d'accord que là je suis full partout. Oh là là, oh là là, oh là là, c'était pas prévu. Donc, je suis allé à gauche, j'ai pris l'ATP de gauche maintenant. Je vais prendre l'ATP de droite, je veux même pas savoir ce que sont ces machins. Mais même pas en rêve. Donc on va prendre l'ATP du milieu, voilà. L'ATP du milieu, on est sûr au moins que c'est le chemin à prendre. Allez, juste pour le farm. Mais que pour le farm. Genre le reste, je m'en fiche. Pour le moment, ça gonfle et le coup critique. Oh là là, Nina. Oh, Nina qui me fait des petites surprises. C'est tellement sympa, ça. Bon, petite attaque. Ok. Pas trop forte, cependant. Et bon, les cons, 7000 ennemis. Oh, froideux, parfait. Et Ryu qui augmente aussi... Froid 2, tu vois, il se passe des trucs bien le jeu. Quand tu veux. Quand t'as décidé de pas être chiant. Comme maintenant. C'est vraiment un poil moins. Bon, là par contre, c'était pas cool. Mais je sais que je peux farmer ici. J'ai zéro. Mais genre zéro sauvegarde. Mais j'ai un point d'eau. Et ça, c'est cool. Je suis sûr que ça va bien se passer, le boss.
Ah, la doublette. Encore. Stan qui se prend les coups, ça je m'en fiche. Et maintenant il a une bonne def. Faut pas non plus qu'il s'en prenne trop. Par contre, Ryu, voilà. C'est Monsieur Attaque. Ah bah Nina qui s'en prenait une, ça, je l'avais jamais eu. Ah, niveau 23, incroyable, c'est une level up. Trop de level up là actuellement. Allez, on va y arriver, je vous jure, on va y arriver. Ça fait 3 quarts d'heure, mais on va y arriver. La double sentence, évidemment. Petit 1000 d'XP. Allez, l'escalier. Voilà. Je ne tenterai pas à droite. Je vais peut-être rater quelque chose d'incroyable. Vraiment. Je vais le regretter, sûrement. Mais, il y a un moment. Stop. Bon, tout le monde est max PV. Les PM, c'est pas trop un problème. Ça rime. Lol. Donc, on va aller tout droit. Ah, mon jeu, qu'est-ce que c'est? Ah, bah, c'est Turbo. Turbo! Que s'est-il passé? Mince, cette porte, il y a un puissant champ de force dessus. Tu fonces tête baissée encore une fois. Repose-toi, Turbo. Bonne méthode. Très bonne méthode. Veuillez entrer votre mot de passe. Le temps qui vous était imparti s'est écoulé. Nous commençons à attaquer. Je me bats contre la porte. Pardon. J'ai rigolé. Si je fais une attaque magique, est-ce que je me la prends très très fort dans les dents? J'attends de voir ce qui va se passer avec cette porte. Il y a un critique. Ok. Oh. Oh what. Oh what. Oh what. Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de me prendre un sang. Donc je me bats contre une porte. Eh bah écoutez. Wait the fucking fuck not. Bah froid 2 hein. Mais je refuse de me transformer en dragon. Clairement. Oh, mais je me prends tellement de dégâts. Heureusement qu'il y a une riposte. Et ouais, moi aussi je peux faire froid 2, salaud. Oh le con. Oh l'espèce de sac. Attends, c'est si c'est juste la magie. Enfin, si c'est juste sur les sorts de type froid, ok, j'accepte. Mais si c'est sur tous les sorts. Ah, je vais pas être content. Partons sur un vent 2. Heureusement que 4 met des coups critiques. J'aurais dû prendre l'end, j'en suis sûr et certain. Personne n'a fait de cramer. Oh, une esquive. Magnifique. Ah, dis-moi que c'est que de la magie. Ok, donc il faut pas l'attaquer avec de la magie. Sur certains. Coup critique, parfait. On égalise à chaque fois. Des gros dégâts pour le moment. Je m'attends à ce que à me prendre un énorme truc. Ce que je peux peut-être tenter au prochain tour. Non par contre, Nina l'attaque en dernière. Ça m'ennuie un peu.
Nina va tenter peut-être un sort, un attaque plus. J'ai pas attaque plus là-dessus. Non, un défense moins alors. Je m'y attendais beaucoup à ça. Nina, un objet, un son aussi. Ryu par contre a beaucoup de PV. Donc ça c'est où? Putain mais c'était 142 quoi, en critique simple. Ah. Ah là par contre, ouais. Heureusement, j'ai gardé... Alors, rang capacité à 70%, c'est mort. C'est à peine 20%. Vent sur Ryu. Ryu, grosse défense. Et surtout, 5 points de vie. Je vais pas. Ah mais attends. Idée de génie. C'est bon, j'ai une idée de génie. Ça vient d'arriver. Absorbe les PV. Et Ryu, vu qu'il peut. S'il se transforme en dragon, c'est considéré comme de la magie. Il va utiliser un sort de soin sur Sten. Grosse stratégie en mise en place. Un petit peu tard par le joueur. Mais ça peut passer. Et si ça passe, bah je suis content. Est-ce que le drainage fonctionne? Je suis pas sûr. Mais on va dire que il y a dû y avoir quelque chose. Agilité moins, défense moins. Attaque moins, allez. Partons sur attaque moins pendant que Ryu soigne tout le monde. Ah mais le taux de critique là est énorme. Ça va bien se passer. Par contre, si c'est moi qui l'attaque, je me fais un soin. Non, ça a l'air d'aller. Je vais quand même me faire un soin sur Ryu. Échec, oh là là, ça ne marche pas. Nina, Nina, je sais même pas pourquoi tu sers. Est-ce que Ryu... Ouais, si, je vais me faire un soin. Ah bah voilà, 2000 d'XP, easy. Je voudrais me soigner par contre. Le champ de force a été neutralisé. Première phase de boss, réussi. J'aimerais me soigner. Ah, c'est passé un truc. C'est la salle de contrôle. Si nous arrivons à détruire la salle de contrôle, nous pourrons empêcher le château de se transformer en robot. Robot. Attends. Parce que j'ai pas confiance. Et j'ai jamais eu confiance. Un soin. Voilà. Un soin. Ensuite. Il m'en reste plus qu'une seule. Ce sera sur Ryu. Maintenant je suis prêt. Ça des machines. C'est ça? C'est pas ça. C'est pas ici. C'est pas ici. Ah. Vraiment, on s'est dit, tiens, avant le combat de boss numéro 2, on va peut-être leur mettre une petite salle où ils peuvent farmer, ça sert à rien, mais franchement, ça va le faire. Bravo les gars, vous êtes des génies!
J'avais toujours 7000 d'XP. Ce qui est pas mal. Oh non, mais dites-moi qu'il y a une sauvegarde au moins. S'il vous plaît. Oh, c'est pas vrai. J'ai dû rater une sauvegarde. Attaque surprise. Parfait. Salut. Allez, au revoir. Et on monte, et on monte, et on monte. Hein. Non mais vraiment, les... Ah. Salut. C'est long. Ah. Ok, je ne peux pas esquiver ce combat. Ah, trop bien. Allez. 26, d'accord. 36, très bien. Je considère que... Il y a une personne qui va mourir. Ryu, quoi ? Mais Ryu qui prend tellement cher. Alors, vous mettez tous sur le pharaon. Et Ryu, il va se mettre sur la petite flamèche. Bru. Zblu, zblu. 3002. Vraiment sur 3002. Pas mal. Alors, c'est quoi extrait par contre? Pendant tous les PV. Eh ben, pourquoi pas, écoute. Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Téléporteur et rien. Je m'en fous. Ah mais ça... On est là-dessus les gars, sérieusement? Ah, le croix de boss. Merci. Êtes-vous prête, princesse? Ah, cette machine prend la forme du cœur d'un être humain et la transforme en énergie. Si nous nourrissons votre grand dévouement pour votre patrie, ce château sera sûrement ranimé. Je vous ordonne de me tuer. Je préférerais mourir que d'être utilisé de la sorte. Disons que ce n'est pas très féminin, Elphora. Mais oui, je suis Sten. Sten! Ah, alors tu es apparu, comme je le pensais. Ah, si je te tue devant la princesse, son sentiment de tristesse se changera en une puissante énergie. Ah, regardez bien, princesse. Regardez l'homme que vous aimez, Sten, mourir sous vos yeux. Oh mon dieu, c'était un boss. Waouh. Oh, elle est moche. Alors, Sten, attaque, Cal, attaque, Nina. Ouais, éclair, vent, vent, vent. Et puis Ryu, Ryu. Est-ce que je prends le risque? Je vais pas prendre le risque. Je connais rien du boss. Qui riposte, pardon, excusez-moi. Quelle est cette défense? Ok. Évidemment bloqué. Sort une petite bombe. 4. Pas assez de magie, évidemment. Évidemment. Oh, marteau de Thor. Je connaissais pas. 4 va. Mais moi, c'est toujours un soin. Oui. Et bah, se soigner. Nina va tenter un froid. Et Ryu attaque. Je vais garder Ryu au cas où en soin magique. On sait jamais. Si je me fais une petite... Sérieusement. Ok, donc le jeu veut... Ah, échec. Merci, déjà ça. Est-ce qu'au moins ça fait quelque chose alors que j'entame une heure? Non, j'ai bloqué, mais fou. Ah. Flamme 2, peut-être. J'ai pas un objet qui permet de mettre des dégâts, moi.
par hasard. Non. Rien du tout. Ah, quoi, tu attendais ? Le médaille du mystère. Non. Et Banine attaque et puis Ryu attaque. Encore un combat qui va être long. Et bien sûr, si j'ai de riposte, on n'est pas sorti. Alors les flammes, ça fait que dalle, j'ai compris. Ah bah oui, un petit éclair. Évidemment, évidemment. J'ai bien fait de garder Ryu en attaque, enfin en magie. Mais n'importe quoi. Allez Nina, fais-nous un sort, quelque chose. Tiens, vent. Et Ryu, bah sort, son 2. Après quand il me restera vraiment plus trop de magie, tout pour le tout, et puis paf. Transformation, riposte, elle est morte. Elle est morte, cette stupide. Mais évidemment. Non mais même pas la peine, même pas en rêve quoi. Nina, je sais même pas à quoi tu sers en jeu. Bon, et donc du coup on va entamer l'herbe vie. Comme son nom l'indique, j'espère, doit remettre une personne KO à la vie. Avec full magie, full PM. J'espère que c'est ça, sinon je vais péter un câble. Merci. Attaque-moi, même si ça va servir à que dalle. Oh mon dieu, un critique. Waouh. Oh mon dieu, un deuxième critique. Orage. Alors, qui va mourir? Eh ben, presque tout le monde. C'est génial. Rappelez-moi pourquoi j'essaye d'attaquer quand même avec la magie. Je sais plus, je crois que je suis un peu bête. Nina, bah objet, tu vas me faire un soin, le dernier soin sur Sten. Et Ryu, qui va faire un soin sur Nina, parce que c'est la magicienne. Ah, des gros, évidemment. Putain, c'est un drap. Yes. M'a fait peur. Donc on va faire un soin sur 4. Nina, je sais même pas à quoi elle sert quoi. Alors prochain truc à acheter en mars, des noix Q. Petit critique. Ça n'avance pas vite cette histoire. Attends, Ryu n'attaque pas aussi vite que prévu. Et Nina se draine CPM. Ma vie, c'est vraiment une grosse blague. Allez Nina, s'il te plaît, un sort. S'il te plaît, un sort. Vraiment, fais quelque chose. Oh, j'y croyais pas. J'y croyais plus, je vous le dis. Oh, toi. Je vais transformer toute ma colère marine en énergie. Et ah, je vais au moins ranimer le château volant. Ce château va se transformer en forteresse volante et le monde s'agenouillera devant nous. Alors. Oh non, une barrière d'énergie. Ouah, c'est une barrière, c'est pas vrai. Et pendant ce temps, en bas. Je dis que j'arriverai à le stopper. Mais je ne suis pas très doué avec les choses techniques. Pardon. J'ai rigolé. Grrr.
Oh, fallait-il vraiment qu'il fasse ce truc aussi solide? Ah, il se passe un truc. Oh, ça commence à bouger. Stop! Il faut que j'arrête! Vite! Appuie sur échappe. Hein? Qui? Qui s'est embrouillé avec les interrupteurs dans la salle des contrôles? L'a poussé dans le mauvais sens? Si nous ne faisons pas quelque chose, ça va exploser! Bah, toi, tu vas exploser. Déjà? On est mal. Il faut qu'on sorte d'ici. C'est moi ou il l'a porté sur le dos? Je sais. Ah, c'est une tour. Ok. Évidemment. Logique. Quelqu'un doit bouger l'ascenseur. Ah oui, ascenseur manuel MDR. Vous, allez dans l'ascenseur avec la princesse. Stan! Princesse, allez-y vite, tout le monde. Je compte sur vous pour protéger la princesse. Je comprends, alors à la prochaine. Au revoir Stan. Le bisou, évidemment. Elforan. Stan, manque toujours? Ah, eh bien... Princesse, Stan est l'homme qui a survécu à la bataille de Gonaïn. Je suis sûr qu'il s'en sortira cette fois encore. Là, tu as probablement raison. Je m'excuse pour les dérangements que nous vous avons causés. Acceptez cette célèbre flûte. Ryu a obtenu la célèbre flûte. En échange du prêt de cette flûte, j'ai une demande à faire. Sérieux? Pourvu que ce montagnard beau parleur puisse encore apparaître devant toi, dis-lui ceci. Fais attention à toi, ne t'en fais pas trop et j'espère qu'un jour... Veille sur lui. Que la force du dieu dragon soit avec toi. Ok. Je vais vous conduire à la sortie. Ok. Allons-y. C'est difficile de voir la femme que j'aime si triste. Oh mon dieu! Révélation de Vgelin. La princesse aime vraiment Stan. Quel casse-pied, il tire toujours la bonne. Oh mon dieu, il se passe des choses alors qu'il se passe des trucs sur mon ordi. Comme vous le voyez. Heureusement que c'est noir et que je peux l'enlever. Ça y est, j'ai fini le jeu. Ah bah oui, puis il m'a remis full complet. Bon, du coup, là, ça sert à rien que j'y aille. Ah si, au moins vous montrer. Au moins vous montrer. Ça s'est refermé. Ah bah d'accord. Bon bah je peux pas vous montrer. Ah quel dommage. Tristesse. Ça fait 1h18 que j'enregistre quand même. Faudrait peut-être que j'aille dormir. Ah oui. Ouf, c'est moche. Bon. Moi, je m'attends à ce que Stan revienne comme par magie, parce que ça va le faire. Après tout, c'est Stan, le héros. Oui, et bah, petite sauvegarde. Hein? Et puis, on va parler à Jean-Mi. Et ensuite, on va s'arrêter. On y va? Étonnant. Stan, je savais que tu serais vivant. Ouais, c'est pas cette fois-ci que je mourrais. Gonaïm a été très dur. Ouais, tout le monde est mort. Wallman, Johan,
Tonnerre. Ils sont tous morts là-bas. Ils étaient tous très super. Ils étaient tous de bons soldats, de vrais couteaux serrés. Ouais. Ne meurs pas, Stan. La princesse et moi t'attendrons. Turbo, tu es un type bien. Je te verrai dans les alentours. Et saut. Oh, je suis désolé, je vous ai causé tellement d'ennui. Vous savez, je suis un ex-soldat aussi, je suis pas très doué avec les choses de la vie. bon, on y va. Il faut qu'on se dépêche, non? Mais moi, je voulais sauvegarder. Bon, bah, nique-toi. Oui. Eh ben, nous quittons au fort. Incroyable! Est-ce que je peux revenir et sauvegarder maintenant? Non, bah très bien, je ne peux plus accéder au fort, la zone est Kieblo! Bien! Mesdames, messieurs, c'est donc là-dessus que nous allons arrêter cet épisode qui aura fait une bonne heure. Un temps classique. J'espère que ça vous aura plu, nous avons quand même avancé dans l'histoire. On a un objet pour continuer, et donc nous allons retourner dans Mucéen, je sais plus comment ça s'appelle, mais nous allons y retourner pour débloquer la suite de l'histoire. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, tout ce qui est like, commentaire, c'est des petits trucs et astuces et vos expériences sur ce jeu. De vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos, et je suis actif sur Instagram et sur Twitter. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour la suite de Brief Fire 2.